Bonjour les amis, bienvenue pour votre coupe du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble ce que le petit Lenormand a à nous dire aujourd'hui. Alors voyons, voyons. Notre petite coupe. Donc nous avons le serpent et nous avons la maison. Alors c'est un week-end férié, c'est un week-end où nous allons nous connecter à la famille. Donc on nous dit de faire attention parce que certaines personnes pourraient nous faire des remarques désobligeantes, certaines personnes pourraient nous faire des commentaires qui ne vont pas nous plaire, peut-être que certaines personnes vous diront vous avez pris du poids ou d'autres vous diront que vous avez l'air exténué. Donc ne prenez pas le venin des autres et laissez ce venin empoisonner ce qui vous appartient, votre quotidien. Protégez-vous, la maison c'est une carte de protection, c'est une carte qui vous dit vous êtes entre vos quatre murs, vous êtes chez vous, vous êtes en situation de pouvoir, vous êtes le propriétaire de votre foyer, d'accord? Et protégez-vous contre les médisances, contre les jalousies. Et souvent des fois si les gens vous attaquent verbalement, c'est qu'il y a une jalousie qui s'installe. Donc aujourd'hui, il faut faire attention aux personnes qui veulent venir envahir votre vie privée, d'accord? Des gens qui veulent peut-être savoir des choses qui sont personnelles. Donc protégez-vous du serpent quand vous savez qu'il approche. Faites tomber les masques, d'accord? Et ne laissez surtout pas le serpent entrer dans votre intimité car il va venir vous empoisonner. D'accord? Passez une excellente journée. Tant que vous restez vigilant et positif, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir, il n'y a rien que vous ne puissiez modifier. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, je le dis toujours, il est écrit au crayon et vous avez la gomme et le correcteur pour corriger l'histoire et la réécrire plus qu'il n'en faut. Belle journée à tous, je vous retrouverai demain matin pour notre coupe du jour et pour le tirage du dimanche.